Design, design, coach.
mélangé avec la musique qui vient de Cuba, des îles, qui a fait qu'aujourd'hui, ça a donné quand même autre chose, une évolution de la musique d'Afrique centrale qui est jouée au Zaïre et en même temps au Congo, Brazzaville. The guitars are very important in soukou. So they play differently to perhaps Western style of guitar? Exactement, parce que les guitares sont inspirées en fonction des mélodies que nous chantons. Donc c'est très important, les guitares sont très importantes dans la musique soukous et surtout pour faire danser le public, ça c'est vraiment important. Are they played any differently to the way we would play it in, say, rock and roll? Côté son, on n'a pas le même son et on n'a pas la même façon de jouer, on n'a pas la même rythmique. Donc il y a le son, la façon de jouer et la rythmique, c'est très différent. There's been a bit of confusion because some people have said that you play a little bit of zouk music from the Caribbean. What's the difference between those styles of music? Mais justement parce que la musique soukous a des origines, les mêmes origines que la musique caribéenne. Donc nous avons, il y a la biguine dans les îles comme les Antilles et nous avons la rumba traditionnelle des Ayahuasques. Et ce qui fait que les deux ont les mêmes origines. Et quand on accélère la vitesse de la rumba et qu'on accélère la vitesse du begin, alors de l'autre côté on obtient le soukous et de l'autre côté on obtient le zouk. Donc on a les mêmes origines, il n'y a pas de problème. You're based in Paris where there's a very large community of African musicians. Why do you think everyone's playing in Paris? J'ai choisi Paris comme tous les autres musiciens africains parce que nous avons la facilité de travailler dans des bons studios, dans des bonnes conditions, et puis avec les maisons de disques qui ont la facilité d'exporter la musique sur le plan international. Et c'est vraiment très important de rester à Paris. Et ce qui fait qu'à Paris, pour nous, artistes africains, c'est un carrefour où on se retrouve, où on travaille bien. Tell us a little bit about what the scene is like in Zaïre, in Kinshasa. Mais Kinshasa, c'est le berceau. C'est l'endroit où naissent tous les musiciens. Tous les musiciens sont nés à Kinshasa, tout le monde a commencé la carrière à Kinshasa. Et c'est un peu la mère de la musique zaïroise, c'est la racine, voilà. Do you ever go back there to perform? Non, ça fait longtemps, ça fait déjà 10 ans que je ne suis pas retourné. Parce qu'on a des petits problèmes au niveau de la distribution des disques, pour les concerts, il n'y a vraiment pas... Il y a des choses qui ne marchent pas tellement bien pour le moment. Mais je compte y aller bientôt pour essayer de voir si tout marche. In Paris, some of the other Zairean musicians, people like Papa Wemba, get into what I think is called sapu. They dress beautifully. What do you think about that? Il y a deux choses différentes. Il y a les sapeurs et il y a les musiciens. Donc les sapeurs, c'est des gens qui aiment bien s'habiller. Et puis la musique, c'est nous qui faisons la musique. C'est très différent. Bon. C'est pas mal, il y a des gens qui aiment ça, c'est bien. Kando, merci beaucoup. Merci.